Ouais, salut les oiseaux, c'est Parano, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Infamous Second Sun. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire je voulais aller m'attaquer, je pense que je vais vite. Je vais vite revenir là, ouais, je prendrai ça plus tard. Ouais, je vais faire demi-tour. Je vais faire demi-tour et je vais commencer un petit peu à m'attaquer aux missions, aux dernières missions. Et en cas, écoutez, si vous... Putain, je croyais qu'il allait faire le tour, j'ai dit genre FAT. Si on termine le jeu et on fera l'émission annexe plus tard, hein, c'est pas non plus la mort. J'aime bien en fait que tout soit partagé, qu'il y ait un petit peu de tout, que ce soit mission annexe. Mission annexe et mission principale, mais... Tu vas beaucoup trop vite, Bobby, calme-toi Bobby. Qu'est-ce qu'il a, il est dopé le robot quoi. Oh putain, plus j'ai alerté les mecs. What? Putain, c'est quoi ce truc de ouf? Il va où lui? Bobby revient. Je vous jure, c'est du troll quoi. Ça me dégoûte. Il faut que je reprenne l'habitude de jouer avec une manette. Mais je joue tellement peu à la manette. Et puis avec les jeux qui sortent pas aussi sur console. Mais j'ai tellement pris l'habitude sur PC, c'est abusé quoi. J'ai l'impression d'être un noob. C'est la première fois que je joue avec une manette. Mais tiens, pourquoi il est tape quoi. Là tu vois, j'aurais été méchant. Putain, je les aurais tous défoncés. Je sais pas si je pouvais la faire cette zone. What? Mais mec oh. What? C'est un truc de malade hein. Franchement vous verrez si vous l'achetez si vous prenez le jeu. Vous allez voir que c'est un truc de fou, ils vous mettent 3 balles, genre vous êtes à 2 doigts de mourir quoi. Et vous savez ce qui me rappelle ce pouvoir maintenant que... Il me rappelle celui dans cette intro là, le 4 qu'on a fait avec X. Ah sérieux mec, c'est bon, il n'y a plus personne là. Bon pas ouf. Frère, t'es sérieux? Vas-y. Est-ce que je peux ou pas? Non. D'accord. Par contre, en faisant cette mission, peut-être que je vais passer directement. Mais le problème, c'est que tu veux pas que je la fasse. Vu que tu crois qu'il y a des ennemis, mais il y en a pas. Voilà. Ouf. Alléluia. Ah, ils ont changé de visage ou j'hallucine? Ok, mais qu'est-ce que tu regardais, mec? Y'a rien. Pourquoi tu regardais le mur? C'est pas lui là? Si, c'est lui. Bon, t'as eu de la chance, il y avait un mec à côté, j'avais peur de... Trop lent, mon vieux. What? Tu m'en fous, vas-y, tu voilà, allez hop. Je crois que je verrai jamais Paris, là, Gilles. D'accord. Pourquoi pas? Ah, mais du coup, je suis encore à... Merde, ça a pas baissé. 32%. Oh là là. Ah d'accord, je sais pourquoi. Ok. Bon vous savez quoi? Je fais ces 3 trucs et on attaque la mission principale. Parce qu'à chaque fois je dis je vais faire et je le fais pas. Donc là cette fois-ci, qu'est-ce qu'il fait lui? Bronzé là? Il faisait quoi? Banzai. Mais tant qu'à faire. Oh putain. Si je louche comme la dernière fois. Ah non, normalement je pense pas. Putain, ça veut dire que là elle est devant moi. What? Mais frère, laisse-moi tranquille. En plus je suis en zone safe là. Genre j'ai éliminé tous les trucs du DUP. Ils sont Mais il est là-haut le mec là, mais il était sérieux. Oh là là. Allez bâtard. J'en veux au monde entier hein. Il va me dire d'éliminer tous les ennemis dans la zone. What? Je passe à côté ou quoi? Ah bah carrément. Coup de pied. Le coup de pied légendaire et hop toi je te fais sauter. Allez hop. Alors je suis en train de dire. Non. Il est pas en face de moi. Là je suis en face. Ok, je suis sûr qu'encore je suis en train de loucher parce qu'elle est juste en face. Mais je ne la vois pas. C'est cool. Donc je suis sorti du champ là. Attends, elle est pas là. Rien à voir. Rien à voir. Sérieux, Sly. Oh putain. Eh Moré, tu commences à me casser la tête avec tes trucs genre dans les arbres ou je sais pas où là. Je suis pile poil en face quoi. Là en plus il y a le pont, il est cassé donc je vois pas trop où ça peut être. Oh putain de merde. Mais dis pas tu l'as mis dans l'arbre, je pète un câble. Si il l'a mis dans l'arbre. Plus de missions comme ça là dans les dans la forêt amazonienne là. Bon allez. Il est bloqué sur un mur, ok. Alors. Il fait le tour depuis tout à l'heure mais... Tour de quoi? Voilà. Je prends même plus la peine de le taper, c'est bon, ça me saoule. Je sais plus jouer aux pattes, c'est pas grave. Allez hop. On va prendre celui-là. Et j'aimerais bien avoir... Putain, comment on fait pour changer de... Je voulais pas faire ça, mais c'est pas grave. Ah ouais, ça, ça peut être pas mal. Oh tu l'évites quoi. C'est énorme ça. Lol. Comment je fais pour changer de costume? C'est pas possible qu'on puisse pas... Ah si c'est ça. Ah ouais putain c'était juste ça en fait. D'accord. Veste épique. Attends, il est passé où le truc avec le dessin? J'ai rien d'autre? Le crocodile, lui... Fremont. À veste de destin. Ouais, je sais pas ce que c'est ça. Voilà, d'accord. Ça y est, le mec, il a fini le jeu, il vient de comprendre, quoi. Mais... Ouais, et maintenant je peux plus changer? Ah si. Putain, mais il faut le savoir le bordel là. Ouais, veste épique, ouais, bon. D'accord, ok, je savais pas ça. Bon, c'est pas un truc de fou en soi, mais voilà quoi. Ouais, avec le tir en... Avec le dinosaure derrière. Comme je vois que ça, H24 quoi, c'est bien de changer de temps en temps. Donc comme ça vous le saurez vous aussi hein, si vous faites le jeu. Il est où? D'accord, il se balade encore. Ça devait bien finir. Lynchage. Ok. Lyncher personne, mais. Un peu le même sens du mot lynchage alors. Encore deux? Ah bah oui, parce qu'il y a lui de là-bas au fond. Oh oh! J'ai pas fait exprès, je me suis trompé tout, j'ai appuyé sur R2 pour courir au lieu de rond. Et j'ai OS une femme, désolé. Du coup, je t'enverrai des fleurs. Quoi? Attends, enterrement. J'aime bien quand ils sont comme ça, moi je me prends pas la tête. Du coup j'ai pas mal de trucs, je sais pas si je l'utilise, non j'utilise peut-être à la fin. Allez c'est parti. On est parti un petit peu pour le mode histoire. Donc deux quêtes s'offrent à nous, la bonne ou la mauvaise. Comme d'habitude, le vol angélique. Eugène, ouf c'est moi. Delsine! Arrête, tu t'es décidé à sortir? Ouais, je suis prêt. C'est l'heure d'entrer en scène? Non, toi t'entres en scène. Moi je vais rester dans l'ombre. Quoi? Genre furtif. Furtif. Alors l'excité, c'est quoi le plan? Tu te rappelles de ces bioterroristes potentiels qu'on a libérés du DUP? En fait, je me souviens d'une expédition de sauvetage plutôt tendue, mais continue. Il se trouve que le gang des Akula les a piégés. Ils les retiennent prisonniers sur un chantier, pas loin. En fait, ils ont l'intention de les revendre au DUP. Cool. Et si nous, on s'en chargeait? Ah, t'en fais pas. J'ai demandé à mes amis de t'y rejoindre. Par amis, j'espère que tu parles de gentils archanges. Et pas de Melvin et Lenny, ta guilde D&D. J'ai pas de guilde D&D. Eugène, sérieux, il faut que tu dédramatises. Ta guilde D&D. Okay, j'y suis. Ils sont où tes potes? Ils arrivent, mais tu vas devoir faire un tour à l'intérieur du chantier. Et ils aiment pas les espaces clos. Les anges sont claustros. Super. D'autres détails que j'aimerais connaître sur mes renforts? Ils sont pas à l'aise dans l'eau non plus. Ah, on est raccord. Oh, je l'ai fait sauter lui. Et eux ils vont me faire sauter là. Que le pouvoir de Matrix soit avec moi. En fait j'ai arrêté de faire le con et je vais essayer de jouer comme il faut on va dire entre guillemets. Comme ça j'essaie d'avoir le pouvoir et essayer de les péter le plus vite possible. Bon on va monter. Chantier en cours, j'aurais dû mettre un casque. Lui il est passé devant, j'ai failli l'OS, j'ai failli lui mettre un headshot et du coup j'ai failli perdre mon truc quoi. C'est pas fini? Autant pour moi, excuse-moi, je t'avais pas vu, mon ami. Y'a plus de dégâts, c'est bon? Je suis toute ta famille. Ok, c'est reparti. Qui me charge dessus encore, putain de merde. Mais laissez-moi tranquille. Putain j'ai rien fait moi, bordel. Putain du coup j'ai les méchants quoi, les méchants. Mais... Oula! Si je vise dans les pieds sans mettre au ralenti. Oh putain, j'ai plus de pouvoir, mec. Ok. Bah c'était... fallait s'en douter en même temps, à force de faire de la merde. Le dernier, il est où? Ok, bon, j'ai tiré pendant un bon moment aussi, hein. Okay. J'aimerais bien un petit peu de... quelque chose de cool, là, tu vois, de... Un truc qui me redonne tous mes pouvoirs, par exemple, tu vois. Bon. Que dois-je faire? Fouiller les ascenseurs. Tout à fait. D'accord, du coup maintenant il faut que je retourne tout en bas. Putain, j'aurais dû le lire avant ce truc. En fait il faut monter. D'accord. Cherche encore. Pourquoi pas? Je suis là. D'accord, il faut faire ça sur tous les étages. Yep. Arrêtez de me faire sauter, s'il te plaît. Bon, et de deux. Tu vois, c'était au rez-de-chaussée, putain de merde. Je sais, je suis très vulgaire, désolé. Sans deck. Les Akula sont des champions pour cacher les gens. Wow, attends, j'entends des hélicos. Pas sur le toit. Les hélicos du DUP, ils récupèrent des containers de marchandises. Les porteurs sont sans doute dedans. Mais qu'est-ce que tu fais, mon ré? À quoi tu t'amuses, là? Flash. C'est le truc, c'est trop dur à gérer là. Merde, trop tard. Non, tu vois mes anges, je leur ai demandé de forcer les hélicos à rester près du toit pour que tu sautes. Tu tires pas sur les hélicos, ouais, tu risques de tuer tous les porteurs. Sauter sur les containers en mouvement à 4 étages au-dessus du sol. C'est le genre de rigolade que tu manques quand t'as joué en Deus Ex Machina. Quand tu te... C'est trop délire d'être génial. Quand t'as joué à Deus Ex Machina, il a dit détruire le treuil reliant le conteneur à l'hélicoptère. Ok. Moi je fais ça. Eh les anges, ça va tomber! D'accord. Là pour le coup il aurait fallu que j'ai mon pouvoir dingue, ça aurait été fat. Lol. Ok. Wouh, cool le sorption container. Eugène, ça en fait un de plus pour toi. Je te vois bébé. Oh, par contre prends pas de l'altitude. Sinon ça va piquer pour que j'arrive à monter dessus. Fais gaffe aussi de pas me faire trancher la tête. Les anges, on l'attrape. Et là je sens un petit peu le délire prototype là, direct. On peut courir partout, sauter... Il est ouf. Merde. Putain, mais il était tarpin loin. Je me suis rapproché de cet immeuble pensant qu'il allait venir là, mais pas du tout en fait. Heureusement qu'il n'y a pas un chrono pour ce genre de mission parce que... J'aurais juste fail en beauté quoi. Oh non! Oh, ça m'apprendra cher. C'est quoi? Allez hop, ça vous démange en plus. Je suis sûr qu'il y en a qui disent pourquoi tu prends pas le truc des anges? Caméra. Il s'énerve et tout. Ah d'accord, je peux pas le prendre celui-là? Non. Ok, celui-là je peux le prendre. Ok, thanks bro. Il est où? Ok. Et comme par hasard il se met devant moi. Oh oh. Ça fait un peu haut non pour tomber? Mais il plane quoi. Vas-y bébé, descends tranquillement. Je te regarde. Ok. Waouh. Ah, c'est vrai que ça va deux fois plus vite. Bon, bien évidemment, je mets un angle de caméra qui est un petit peu chelou, mais j'ai pas le choix, les gars. J'essaye de bien optimiser la trajectoire. Oh le. Allez. Allez. Ouais. Ouf. Truc de la mort qui tue quoi. Bien évidemment je peux pas aller plus haut. Oh con. Et voilà le dernier. Delsine, le dernier container s'est posé à Denny Park. Le DUP converge dessus. Empêche-les de mettre la main sur ses porteurs. Hein? Il n'est pas question que je vous laisse toucher à ces gens. Hey, oh, 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 il a géré lui, comme il a fait quand même. Sacrée patate. Wow, wow. Eugène, t'as pas d'autres anges à nous envoyer? Si, mais ça peut prendre du temps. Ah, j'ai pas le temps. Tous ceux que j'ai sous la main seront de l'histoire ancienne dans 2 minutes. Non, 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 non. Ça doit pas se passer comme ça. C'est pas le moment de faire ta mijaurée. C'est trop pour moi, j'en peux plus. Il est où l'ennemi là? Non, 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 non. Reste avec moi, Eugène. Eugène. Allez mec, s'il te plaît, me dis pas que tu viens de m'abandonner devant l'hôtel. En plus, moi j'ai plus de pouvoir là. Oh, il y en a deux en plus. Fuck you. Pardon. C'est la vérité quoi. Fuck that. Les trucs sont armés jusqu'au temps. Tremblez, craignez-moi. Eugène, s'il te plaît, dis-moi que c'est toi. Vous allez maintenant subir le courroux des flammes de l'enfer. Ah, je crois que vous allez détester ça. Wow. Qu'est-ce qu'il a? Il est énervé. Ok, mon petit ange, je te les ai attendris un peu. Et Eugène, quand tout ça sera fini, tu pourras m'apprendre à faire ça? Tu n'en es parti! T'es un sacré connard quand t'es déguisé en ange, tu le sais ça? J'aimerais bien pouvoir faire mon ma petite attaque moi là. Je vais écrire tous les VBTT là. Je dirais que oui. On a mis du temps. Allez, ça fait longtemps. Merde. Ça alors. Regardez qui a décidé de rejoindre le monde réel. Ouais, tu m'as convaincu. Je vais donner une deuxième chance aux gens. Eh ben, de la part de tous les gens, merci. Ouais, enfin, au pire, s'ils me déçoivent encore, je peux te dire qu'ils vont vraiment morfler. Oh. C'est ça, gamin. Une pensée heureuse. Je comprends pas comment ça se fait qu'on level up alors qu'on a plus de pouvoir à améliorer. Non, ça vous intrigue pas, vous? Moi, ça m'intrigue un petit peu. Donc je sais pas du tout... D'accord, je sais pas pourquoi tu peux zoomer, ça sert strictement à rien, mais... Re l'équipe, comme d'hab, un petit bug. Donc rien de grave, on est reparti. Donc vous inquiétez pas, encore une fois vous avez rien raté. J'ai juste un petit peu avancé, je me suis rendu compte en fait que... Bien que la vidéo avait bugué quoi, je me suis rendu compte. Ok. Ouais, j'ai vu que l'image avait sauté. Je vois putain c'est pas bon. Du coup j'ai dit vas-y, ça m'est déjà arrivé sur la 4ème vidéo. Je préfère arrêter, même c'est pas grave, s'il y a une petite coupure vous la verrez même pas. Vous ne la verrez pas. Ok, il y en a encore un qui se fait casser en deux là. Je m'entends d'ici. Vas-y mec. Attends, je comprends rien. Il fait le tout roule, bordel. Je l'ai pas vu au-dessus de ma tête. Ok, il est très très haut. Oh putain, de rebords. Les gars, ils sont sérieux de faire un jeu, mettre des rebords comme ça, ça sert à quoi de monter sur les toits, wesh? Ah mais j'ai l'impression que plus t'as un pouvoir qui va vite, plus putain de robot il va vite. Vous avez vu, j'ai même pas calculé les mecs quoi. Genre je fais mon truc normal. Allez salut. Putain par contre ça te fait tarpin aller loin, c'est abusé. Ah, du coup j'ai même pas pris lui que je voulais prendre, d'accord. Mais en même temps avec la carte on voit que dalle. Pas une bonne option cette carte. Ok. Elle est juste là, ça va. Ouf. Allez, ça au moins à prendre. Il ne restait plus que ça. Ouais, dans pas longtemps, il vous restera plus un seul panneau que j'aurais pas tagué. Alors, parlez-en à vos supérieurs. Vous devez arrêter ça. Il n'y a qu'à vous que vous faites du mal, et apparemment à quelques agents du DUP. Je crois que je m'en lasserai jamais. Ok, pas cool, pas cool, pas cool. Ça a l'air d'être pas mal, et en plus d'être des... ça a l'air d'être des gros. Où ils sont? Il y en a là-bas. Tu crois que je peux l'endormir lui? Pas du tout. J'ai scotché ou pas? Ouais ouais. Et lui aussi il aime bien s'amuser avec les cailloux lui hein. Oh putain, je visais à côté quoi. Attends, si je suis pas visible. Oh le bâtard il m'a quand même eu. C'est un truc de fourbe quand même hein. Déjà il a une épée de... l'épée de Final Fantasy VII là. La grosse épée de ouf. Ouais, pourquoi tu klaxonnes toi? Tu vois pas je suis en plein boulot là. Et pourquoi il regarde les murs les mecs? Ok, quartier clear. Ok, je vais clean celui-là. Et après, il m'en restera plus que deux. Mais les deux, ils ont l'air pas mal. Ils ont l'air plutôt grands hein, quand même. Donc, ouais, je suis chaud là. Je suis chaud. Et tentant, cette fois-ci avec ce pouvoir. D'ailleurs, j'ai chopé 2-3 améliorations, non? 5. Invisibilité améliorée. Ouais, on va tester ça. Pas mal. En fait tous les pouvoirs sont fat du moment que voilà vous savez un petit peu les utiliser. Faut que je trouve un truc pour m'accrocher bordel. Comment je peux faire pour monter là-haut? Y'a pas une prise là, pas un truc. Tiens, ce petit truc il va me faire chier quoi. Tiens, je comprends pas comment je peux l'atteindre le truc. Peut-être par là. Ouais, je calcule même pas, les gars. Ouais. Yes. Tu me cassais la tête, gros. Au moins comme ça, j'ai clean la zone. Il manque plus que le téléphone. C'est pas mal ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Comme ça maintenant que quand j'aurai pris le téléphone, je pense que... Non, non, même pas, il faudrait que je fasse une autre zone pour avoir tout le truc à fond. Pas mal du tout ces ailes en fait, au final, il s'avère que c'est pas mal utile. Hein. Et vous allez 2 fois plus vite que... Je me rappelle plus ce que ça fait. Ah oui, je crois que ça m'évoque des anges, c'est ça? Ici l'assistance téléphonique du DUP. Avez-vous un incident bioterroriste à signaler? Vous n'allez pas le croire. Monsieur Rowe, ça suffit maintenant. Il est énorme. À chaque fois, par contre, sur ça, franchement, ça me fait trop kiffer. Pour rien avoir 50 d'appels téléphoniques, je te jure, ça me fait trop kiffer. À chaque fois, il la rend folle, la gadji, c'est énorme. Bon, ils vont être ouf. Non, non, mais venez, on descend. Venez, on s'amuse en bas. C'est cheaté ça. Il est par chez où? Ok, agent, munitions. Pas mal, pas mal. On va regarder sur. On va revenir sur la veste du destin un peu là, comme ça on montre un petit peu l'ange. L'ange. Le Pégase. N'importe quoi, l'aigle. Pourquoi je dis n'importe quoi? À la vérité, je vous jure, là je commence à être KO technique. On a combien là? Là ça veut dire que... Eh ouais les gars, là on a 50 minutes, ça veut dire que c'est la fin de la vidéo. Et on va continuer ça et ça pour le prochain épisode je pense. Je me tâterais bien, putain il y a 2 camps là dans le truc. Ah ouais, ils rigolent même pas là. C'est la base finale ou quoi? Donc écoutez, moi je vais me rapprocher de la base. C'est vrai, pour planer, il n'y a pas photo ou quoi. En plus, là, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs à découvrir, quoi, d'immeubles assez éloignés. Donc, écoutez, les oiseaux, moi, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Je vous dis à très très bientôt pour, ben, probablement la fin de Infamous Second Sun. Je pense qu'il y a encore 3-4 épisodes, mais voilà, on y arrive, on y arrive. Petit à petit, je suis un petit peu dégoûté, mais bon, on va dire que toutes bonnes choses ont une fin. Toutes bonnes choses ont une fin. Pff, ça y est, j'arrive même plus à parler, vous m'avez compris de toute façon. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore. Je vous dis à très très bientôt, c'était Parano. Allez, peace.